Bonjour mes petits camarades. Nous sommes aujourd'hui le mardi 3 septembre 2019. Je suis parti de Monthermé et j'ai pris la route forestière et je suis actuellement au Champ Bernard. Donc ça fait une belle altitude aussi, hein, voilà, pas mal de paysages à travers bois. Et puis bah, j'ai rencontré quelques forestiers là parce que ça déboise quand même pas mal. Ici, et puis autrement, bah, il n'y a personne, hein, comme d'habitude. Hein. Donc voilà, c'est un endroit agréable, Champ Bernard, parce que c'est une ancienne maison forestière qui doit servir actuellement, je suppose, de relais de chasse. Hein. Et puis, il y a des tables, il y a des bancs pour faire des pique-niques, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Voilà, je vais vous montrer un peu l'endroit et ce que je vais manger aujourd'hui. Donc voilà, je vous présente le menu d'aujourd'hui. Donc, bah, mon morceau de pain, hein, vous voyez, avec mon couteau. Alors, on a une boîte de sandwich au thon, c'est super. Et puis alors, il y a un truc qui est magnifique, c'est ça. C'est en fait du pâté ennaf. Du pâté ennaf au confit d'oignon. Alors là, c'est quelque chose parce que j'y ai déjà goûté. Hein. Et puis, ben, on a quelques prunes, un morceau de fromage et puis ma bouteille d'eau, voilà. Et ben, je me suis bien régalé avec ce sandwich au thon. Alors là, maintenant, confit d'oignon rosé de Bretagne, pâté ennaf. Bah, c'est des bons pâtés de porc, hein, du jambon de porc, hein, c'est magnifique. Voilà. Ça, c'est une belle marque quand même. Hein. On n'est jamais déçu, puis c'est pratique pour emmener comme casse-croûte dans les bois. Enfin, voilà, hein, c'est un peu style. Quand je pars, moi, maintenant, c'est des boîtes de conserve, des trucs comme ça. Parce que c'est facile, c'est style boîte de ration, hein. Voilà. Mais ça ne m'empêche pas de me régaler et puis bah, de manger autre chose le soir. Voilà, je vais vous montrer une fois ouvert. Donc vous voyez, ça fait un beau pâté de jambon en gelée. Donc, comme je vous disais précédemment, avec des oignons, donc il y a bah, comme c'est un confit d'oignons en fait, bah, il y a un petit goût sucré-salé. C'est magnifique. Hein. J'avais déjà testé et c'est vrai qu'on n'est jamais déçu. Voilà, et ben voilà, regardez le bel aspect que ça a, hein, c'est quand même, c'est quelque chose. Hein. Et puis alors, magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, avec un bon morceau de pain. Ouais, bien. Très très bien. C'est vachement agréable. Hein. Bon ben voilà, le soleil semble revenir, mais bon, il y a des gros nuages, hein, bien gris. Enfin, il y a toujours cette espèce de petit buron pour se réfugier pour la fin du casse-croûte. Hein. Et puis sinon, bah, quand je reprendrai la marche, hein, je dois avoir à peu près aller pour rejoindre Monthermé, un peu plus de 10 km. Donc comme j'ai fait 10 km ce matin, bah, ça fera 20 au total. Hein. Donc je me mettrai dans le petit, ouais, dans le petit bureau là, qui est un ancien four à pain, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Bon, ceci dit, c'est pas tout ça, mais le pâté, il va pas se manger tout seul. Hein. Allez, donc. Et puis alors, même la gelée est bonne, hein, ce qui est rare d'ailleurs. Hein. Même la gelée est magnifique. Hein. Avec du bon pain, bien cuit. Bien croustillant. Voilà, ben, encore une belle journée. Bon, à part que il n'y a pas des températures très élevées, comme en juillet et en août, là, ça y est, on est passé en septembre. Hein. Ça se sent. Donc il y avait un peu de soleil ce matin. Quand je suis parti à pied de Monthermé, là, avec une température quand même de 16 degrés, donc ça fait un peu court. Hein. Et puis voilà, bah, en marchant, comme je dis toujours, surtout d'un bon pas, comme je marche, bah, on se réchauffe. Et puis, bah, c'est peut-être une maladie, docteur, mais j'ai toujours faim, moi. Donc voilà, il faut que je m'arrête. C'est vrai que quand je me suis arrêté ici, bah, j'ai regardé mon téléphone portable, il était midi 5. Hein. Donc voilà, hein, je me régale. Mais voilà, un bon morceau de masdam, là, parce que moi, j'aime bien le fromage. Hein. Comme il me reste un petit crouton de pain, voilà.
Ben, il n'y a encore pas un chat, hein. J'ai vu, allez, depuis que je suis ici, là, un garde forestier qui est venu voir ici, voir si je faisais du feu ou pas, mais bon, je fais pas de feu, moi, bien qu'il y en ait eu ici, hein, visiblement. Hein. Voilà. Donc je me poursuis au niveau de mon repas. Voilà. Bien avancé, là. Eh bien, voilà mon petit dessert. Une bonne poignée de prunes, là. Elles sont bien sucrées, hein. Je les ai goûtées hier. Bien sucrées, bien juteuses, c'est magnifique. Voilà. C'est une belle fin de repas. Eh bien, voilà, faut attendre la fin du repas pour que le ciel se dégage enfin, hein. Enfin du soleil. On sent tout de suite, hein. Ça réchauffe le dos. Qui était mouillé avec le sac à dos, il est un peu mouillé le dos, hein. Quand on a fait déjà un peu plus de 10 km et qu'il en reste encore 10, c'est certain qu'on transpire, hein. Alors voilà, à côté du petit buron, là, hein, il y a une planche, hein, pour se mettre à l'abri, hein, c'est bien pratique. Hein. Et ben voilà le fameux four à pain. Voilà, alors d'après ce que je sais, ben, les gens du village, de Tillet principalement, venaient cuire leur pain ici. Et bien voilà, après cette bonne pause, presque 1 heure de pause, hein, faut pas exagérer quand même, hein, et ben je reprends la route parce qu'il me reste encore 10 km à faire. Parce qu'il fera aller-retour 20, peut-être un peu plus d'ailleurs, parce que j'ai pas tout calculé, faut que je regarde un peu les panneaux ou la carte. Mais bon, voilà, ça fait certainement au moins 20, ça c'est sûr. Aussi un besoin, hein. Il y a un peu de déforestation aussi par ici. Enfin voilà, c'est malgré tout des sacrés arbres là, hein. On a des pins et des sapins, donc si on voit un peu le tronc de celui-ci, bah, vu le nombre de circonvolutions, le truc il est plus que centenaire quand même, hein.